Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur War Tales. Dans le dernier épisode, on avait réussi à mettre en sécurité l'ambassadeur Alazar, accusé de meurtre. Dans cet épisode, il faut qu'on l'escorte en sécurité. On risque d'avoir affaire à une foule totalement furieuse, fourche et torche à la main. On va essayer d'éviter ça. Mais avant toute chose et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. Allez, on sort du camp. Et on va voir ce qu'on peut faire. Alors on sait où on doit aller. Hein. Ah, là par contre, non, ça c'est pas cool. Donc on va se dépêcher, pas les nuder du négoce, on verra si on peut ressortir. How have they still not found Broker Hope? Just look around you. The streets empty. I commiserate, dear lady, but I can assure you the Broker Council is doing everything in its power to resolve this. D'accord, ça discute et blablabla et blablabla. Broker Burner is back in business. Despite rumors he was ruined, just last week he bought a new travel post. I'll take advantage of his newfound prosperity to ask him to insure my first ship. That witch Willa laughed in my face, but hopefully he'll agree. Allegedly, all the brokers were still at the palace when Willa Old Hovendorp was killed. I do wonder why she wasn't with them. Good to see you again. We were there on the night of Willa Old Hovendorp's death. I remember Broker Burner was also there, but I don't think I saw the broker's son or the Alazarian ambassador. Hmm. Good to see you again. You should head to Hovendorp Manor. The broker's daughter has a search going there. Pourquoi pas? Only members of the Broker Council are allowed in. Watch it. Some might think you're implying that a... This fresco is incredible. I've never seen... Ok, rien d'intéressant. You may not pass. There's no excuse for poking around. Ok, ok. Oh, inspecter. On a obtenu de la connaissance. La fresque représente le moment où les négociants de Gozenberg à gauche ont trahi le royaume d'Alazar au profit des Doran à droite. The role of the Broker Council is to run the city and maintain some measure of civil peace there. Each member, brokers such as myself, has a duty to listen to the residents' demands. Yes, mercenaries. Do you have a grievance? The Brotherhood report didn't tell us much more than what we already knew. At the time of Willa Old Hovendorp's brutal murder, all the other brokers were here and stayed well into the night. D'accord, donc beaucoup de personnes ont des alibis. Manoir. On peut y aller au manoir hein, tout de suite. On cherche des preuves. Sorry, but you cannot go upstairs without Lady Malvina's permission. Between you and me, I believe that Lyderic Old Hovendorp is capable of killing his own mother. They hated each other so much that Broker Hovendorp regularly threatened to disinherit him. Clues. Yes, I must find clues. Leave me. I need to focus. Lyderic Old Hovendorp must be questioned. If only Lady Malvina could remember where she saw her brother last. My mother was murdered, and my brother didn't even turn up. I don't know where that loafer is, but I hope for his sake that he wasn't involved. Find Lyderic, and I will give you a fitting reward, mercenaries. J'accepte. I don't know where he's disappeared to or when he went missing, but I've told the help not to touch his room. It's upstairs. Feel free to take a look. Maybe he left some clues. Ah, voilà qui est intéressant.
Fils prodigue. Très bien. I am responsible for Lady Malvina's brothers in arms who protected Broker Willa. Ok, rien de particulier. On va utiliser un crochet ici. Ah. Yes, c'est dedans. Et de deux. Et de 3, 55 d'XP. On commence à avancer ici. Hein. Est-ce qu'on a carte à jouer? C'est nul. Gain en soi, 2 saphirs. Pourquoi pas. On va quand même check où on est notre petit voleur. Tes compagnons, 805. Ok, il en faut encore pas mal. Hein. I've been Lady Malvina's personal boy. Between you and me, I believe that Lyderic... On a le droit de monter. Oh, il y a beaucoup de choses à fouiller. On va quand même regarder ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Il n'y a rien de valeur. Il faut quand même... Une petite cassette est scellée par un jeu de taquin. Heureusement, on a un maître. Oh. Ouais, là je suis pas sûr qu'on y arrive. Ça risque d'être long. Donc on se retrouve dès que j'aurai mis toutes les pièces sur la dernière en place. Ok, là normalement on devrait être bon. Une lettre d'amour. La boîte renferme une correspondance mièvre entre Lyderic et une certaine jongleuse nommée Adélise. La dernière lettre évoque un rendez-vous place des arts. Ok. Très intéressant. Ok, là on prend. Un recueil de poésie. C'est tout ce qu'il y avait. Bon, on va pouvoir ressortir. On va avancer par ici.
La reine de Berna, ok. L'église de l'œil sauveur. On va voir ce qu'on a là. People can't find work here. The outskirts of the city are plagued by poverty. Don't expect me to say a prayer for Broker Hovendorp's soul. She never lifted a... Ça c'est clair. Elle a jamais aidé, ça c'est du vol. Ça par contre, on peut essayer. Aidant. Parfait. Ah, c'est nul tout ça. Mais bon, on prend quand même. Ici, il me faut une clé ouvragée. On va ressortir. Pas sûr là. Ouais, c'est bien ça, j'étais pas sûr, j'avais raison. Ouais, ici comme ça. Je sais pas si ça va mieux passer. Oh, si ça passe là. Donc on est ici, on va essayer de remonter après. Ou pas, pas par ici. On peut essayer par là, ouais. Allez. Là, je pense qu'on y est. Yes. Et on aura fait le tour de la ville. Ouh, là, il y a un truc à inspecter. Allez, poste de garde. Is the ambassador safe? Yes, sir. Perfect. You've done well, mercenaries. Here is your reward for having stopped the mob from lynching the ambassador. We will question the ambassador about Willa's murder. If he is innocent, we will help him to return to Alazar until things settle down here. I won't lie. In the past, Alazar turned to the Rooks to take out troublesome brokers. It could be the case here too. Mais au moins on avance. The interrogation may last a while.
but I much prefer facing the guard than the fate that the crowd had in store for me. Ah bah oui, tu m'étonnes. Thank you for bringing me to safety. I had nothing to do with Broca Willa Oldhovendorp's death. In fact, I had a business meeting planned with her that evening at the embassy. Ok, donc on avance. Ce qu'on va vouloir faire, deux choses. Alors déjà là, trois choses même. Ici. Might I interest you in my humble wares, my good sirs? Non, ce que tu vends c'est cher. Par contre, moi, je vais te vendre ça. Voilà, je te vends tout ça. Je vais te vendre. J'ai d'autres choses à vendre. Disséminé à droite à gauche. Voilà. J'ai ça également. Parfait. Et on va partir. Ensuite, Université de Gothenburg. On va faire ça d'abord. Provide what I need to teach my students properly. And I might be able to provide information about Willa Oldhovendorp. I performed. You didn't expose them to direct sunlight. I hope. So, I suppose you wish to know more about Broca Hovendorp. Allez, comme ça on avance encore un petit peu. All of the wounds on Willa Oldhovendorp's body targeted vital points. A sign of remarkable dexterity from her attackers. If you ask me, someone hired the rooks for this job. On avance, c'est très très bien, on est passé à 27. Ah, on a une brosse à cheveux aussi qu'on aurait pu vendre. Et on a récupéré un objet qui s'appelle chic. Mâchouiller scrupuleusement un seul morceau de chic suffit à détendre les muscles et à apaiser la douleur. À la fin de son tour, cette unité régénère 1% de sa santé max. Ok. Et on va se reposer ici. Brochette de gibier, potage de brochet, fondu de trappeur, porridge. Non, on va rien cuisiner. Là on approche, on va se reposer. Dextérité, réduit la vitesse de prise de fatigue, mouvement. Vingt-huit, c'est bien. Un petit champignon. Et une petite bière. Danger 70%. Ah, on va essayer de se mettre un peu plus à l'écart alors. Est-ce qu'on est mieux là? Moyen, parfait. Alors, on a gagné Pertuzan de Horum, niveau 9. Plus 35 de force, frappe de Horum, inflige entre 80% et 100% de dégâts de force à la cible. Si la marque de Narcès est appliquée sur la cible, consomme le statut, sinon applique la marque d'Horum. Quand ce statut est consommé, l'attaquant effectue une attaque d'opportunité. Quand ce statut est consommé, l'attaquant génère 2 points de bravoure. Une attaque qui inflige 100% de dégâts de l'attribut force. Dextérité, d'accord, c'est 35. Nous, on a 33 avec empalement. Je vais pouvoir bosser. De repos.
ici. Tessa, justement, tu veux parler. Parfait. Ablette a l'air de bien s'adapter à la troupe. On peut fêter ça. Faire connaissance. Allez, pourquoi pas. Là, c'est parti. On va refaire encore un petit peu de miel. Et on va pouvoir repartir. Alors ici, j'ai vu quelque chose. Un coffre. Ok, c'était pas foufou. On va aller ici, hein, place des arts. On sait qu'on a des choses à y faire. Qu'est-ce qu'on a à faire en dehors de la ville? Le tombeau des anciens à localiser. Le repère ici. D'accord, on a quand même pas mal de choses. Fine people of Gothenburg. Citizen. The one. The only. Ah, c'est grâce à nous, hein, s'ils peuvent être là. Hein. Art lovers, are you? You're not alone. We haven't seen the broker's son since his mother's. Ok, ça on avait tout fait. Alors, Adolise. You wish to congratulate us on our performance? Pas vraiment. Lyderic. You're looking for him? Oui. I'll do anything to help you find my beloved. Ask me whatever you want. Ben, est-ce que tu sais où il est? The last time I saw him was the night his mother was murdered. He forgot to take his hat. Perhaps some animal could follow his scent. Nécessite un loup, un sanglier, un ours ou un crocoporc. Crocoporc. Fine people of Gothenburg, the one, the only. Fine people of Gothenburg. Non. Fine people of Gothenburg. On peut pas bosser ensemble. Me dis pas que je suis bloqué parce que j'ai pas fait parce que j'ai pas d'animal. On n'a pas ce qu'il faut, va falloir trouver une alternative. Bon, hormis ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Comptoir, fils prodigue. Allumer le feu, ouais, c'est vrai qu'on aurait ça aussi, hein. Ouais, on va aller faire ça et après on repartira par là. Là, on va commencer un peu l'exploration. Allons-y. Au cas où, je vais quand même faire quelques cordes. Si on doit affronter des créatures à capturer. Juste histoire de, hein. Oh, j'ai pas envie de me battre contre vous, les gars. Me casse.
avait quelque chose ici. Ah oui, les jardins de Mimi. I won't mourn the death of a broker, especially... Look at the squalor around you. Do you think that the brokers could share a fraction of their wealth? Never. They keep it all for themselves. Tiens, je te vends ça. Il me faudrait un peu de blé. Il va me falloir du sel également. Broker Hovendorp got what she deserved. For years now, we've complained about the bandits lurking in the alleys at night. Yet she always refused to increase the gun. I placed the effigy on the pie. I don't know if the People's Fellowship. You gave us the materials needed for this effigy. Ah oui, c'est vrai. On peut embraser. Want to do business? The death of Will o' the Witch will bring you good luck, for to tell you the truth. Ok, allons-y. You gave us the materials needed for this effigy. You've earned... Tout ce tapage risque d'attirer la garde. Halt! Oui. Guards, surround these. This pyre is an act of rebellion against the Broker Council and an insult to the late Broker Alv Hovendorp. Everyone involved must be arrested and put in chains, starting with you, mercenaries. No. Everyone involved must be arrested. But we must stay alert, as a seditious group named the People's Fellowship roams this neighborhood, stirring up the baser instincts of the common folk. Take my advice. Don't hang around these parts. Here, even the priests from the church. Bon bah voilà. Ça on a pu éviter. Glad you gave the guard the slip, mercenaries. D'accord, maintenant est-ce que vous voulez me parler? Want to do business? The death tell you the truth. Non, toujours pas. Vous avez rien d'autre à me dire. Pourtant, je vous ai bien aidé, hein, mais non. Bon. Broker Hovendorp got what she deserved. Willa Old Hovendorp. The People's Fellowship is right. Just look around you. I won't mourn the death of a bro. T'as quoi à vendre, toi? The People's Fellowship is right. This city only looks after the wealthy and doesn't care about the common folk. Donc ça c'est fait. Alors par où on pourrait sortir du coup? On pourrait ressortir par là. Par où on est venu en fait, hein, simplement. Et après remonter par les champs. Pourquoi pas après tout. On avait visité ce bâtiment-là? Non. Ferme de la Belle Porchère. Je vais récupérer le consoude d'abord. Oh, un petit point pour pêcher. On va aller pêcher. Et la prison. La prison, on l'a déjà découvert. Ok. Voilà, on peut pêcher ici. Trois perches et un peu de chanvre. Encore trois perches, c'est pas mal.
et 3 carpes. Bon, on s'en sort bien. Hein. Ça nous fait 9 petits poissons. Ici, qu'est-ce qu'on a? Du chanvre, parfait. On a des cochons. Alors, on peut peut-être en récupérer un, le cochon. It's been 3 days since I asked the Brotherhood for help, and I still haven't heard back. Ah, mais on est là pour aider. The Broker's murder has rallied every last mercenary in Gothenburg. Nobody cares about the common folks' problems these days. My best boar's been stolen. An actual prize winner. We've won title after title in county fairs with that one, but no one gives a damn. You want to know the worst bit, mercenaries? A customer told me the thieves were on the other side of the river between the city and the roost field. We only sell quality meat, a product you can trust. Ever heard of the People's Fellowship? Ok, on va essayer de s'occuper de ton problème entre la rivière et le terrain de roost. Ça va être par là alors. On va explorer les alentours de la consoude encore. On prend un pour se faire du miel. Non, pas ici. On va prendre la consoude ici. Ou encore un terrain de pêche. Et là, le boss du coin. Oh, c'est foiré là. Pas grave. On retente. Perche, très bien. On continue à gagner un petit peu d'XP, c'est toujours cool. C'est parfait, je pense qu'on va s'installer là. Alors, la marmite, de la carpe, brochette de gibier, on va voir si on peut pas faire autre chose. Mat fin aux pommes. Carrément. Le reste, on n'a pas, donc du coup... les perches. Voilà, c'est parfait. Alors, tu vas me prendre un mat de fin. On est à 50, allons-y. Et on se repose. Ouais, toujours plus de miel. Évidemment.
évidemment, le champion, on va pas aller l'affronter. On veut déjà avoir le contrat. Hein. Quand on veut bien aller pêcher ici. On achète encore du sel. Le sel, ça sert dans quasiment toutes les recettes. C'est assez nécessaire. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, mat de vin aux pommes et du vin. Terrain de roost. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Du bois à couper. Parfait. Ça nous fait encore 52 d'XP. Apparently I'm too old. I was about to teach him my best tricks. That's not about to happen now. I don't trust roost players anymore. Ok, donc toi tu nous feras... Tu nous apprendras des choses quand on aura gagné à l'arène. Très bien. I sell refreshments to the crowd and the players. Have as many... Non. Why not meet some local growers while you're at the tournament? Enjoy them. Non plus. I told my husband to get paid in advance. With all the rumors about the... Have you seen the pitch after a game of roost? There's swamps in Harag what look nicer. If Broker Burner didn't pay to rent my land, those chaps would never set foot there. Broker Burner cares about the common folk. Between the roost games and the arena, he makes sure no one gets bored. Want to join a roost match? Step right up. Don't be shy. The more the... A game of roost is played in teams of eight, six on the pitch and two substitutes. The aim is to get the ball to the opponent's end zone. Anyone can play. An amazing reward for the winning team. A fine pony for ploughing fields. Generously donated by Broker Burner. Oh, un poney, pourquoi pas. Constituez votre équipe. Alors, une équipe est composée de 6 joueurs. Chaque joueur est spécialisé selon la force ou sa dextérité. Les équipes s'affrontent pour le contrôle de 2 ballons. Porter un ballon dans l'orbite adverse rapporte 2 points. Posséder également le deuxième lors de la marque offre 1 point. Une partie se déroule en 8 rounds. L'équipe qui possède le plus de points est déclarée vainqueur. Ok. Et après, on veut de la dextérité. Vous devez attribuer un poste. Je veux bien comment je fais ça. Ok. Alors, défenseur.
plutôt Varinus. Ok, let's go. Emparez-vous du ballon, portez-le jusqu'à la zone d'embut adverse pour marquer un point. Ok, j'ai pas le choix. Sérieux? Dur comme sport, hein. On va faire ça. On va récupérer la balle. Ok, joli. Regardez la position. Fait deux fois. Voilà, toi aussi t'y prends. Ouch.
Ah, raté. Toi, t'es quoi? T'es... T'es fait pour attaquer. C'est pas cool. On va pouvoir se relever. On est plutôt bien ici. Ok, nouveau round qui commence. Dommage. Voilà, histoire d'apprendre. On est mal. Alors, qui est-ce qui nous reste? On va se mettre comme ça dans la zone, puisqu'on peut pas se déplacer. On est à la moitié du match, il y a toujours 0-0. Ok, bien joué là. On va tirer. Ça c'est parfait.
comme c'était sur le trajet. Il y a lui qui va être dispo. Ouf. Ouais, là, toi, tu feras rien. Toi, tu vas être trop loin. C'est compliqué, hein, quand même. Ouf. Enfin, compliqué. C'est pas évident à prendre en main. Raté, c'est très bien. Oh, c'est pas vrai ça. Et en plus, il le rate. Allez, courez après la baballe. Dommage. Il reste toi. Un nouveau round commence. 7 sur 8. Et ça fait 2-0. Il reste un round. Oh, raté. Oh, dommage. Un double ratage même. Hein. Bien joué. Toi, et tu vas venir récupérer celle-là. Parfait. On se relève.
Ouais, c'est juste histoire de... Voilà. T'as compris, tu m'avais fait, je te fais, voilà, tout le monde est à égalité. C'est la fin du match, on a gagné 2-0. Oh my! Looks like you've mastered the art of the roost, mercenary. You know, Grinmere isn't the only place where people play roost. You should try to challenge teams in other regions. Broker Burner seemed to be low on crowns lately, but lo and behold, he donates a pony. Parfait. Débloquer les terrains de roost des autres régions. Oh, intéressant. On va vouloir évidemment que ça soit un cheval de trait encore. Avec beaucoup de constitution, transporter plus, toujours plus. En plus, il nous aura rien coûté celui-là. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Durée de course augmentée, oui. Et ici, durée de course augmentée, transport augmenté. Parfait. Parfait. On passe à 842 de capacité. C'est fat. Alors, on sait qu'il y a un truc entre le terrain de roost... et la rivière, donc on va aller voir. Ah, c'est peut-être eux. I hear your troop is investigating. Come on then, give us a few tips. Mercenaries have to stick together, right? Ouais, si tu veux. Now that's the kind of colleagues I like. Ok, j'ai pas bien compris qui vous étiez, mais bon. On a récupéré de la consoude. Qu'est-ce qu'on a ici? Inspecter. Inspectons. Oh oui, le cochon là, je le vois. Manuel du marchand. Paf, on a 23 points. On va sauvegarder. Et puis on va partir au combat. Ils ont le cochon qui m'intéresse. We fought for our freedom. We killed to reclaim our dignity. Never again will we be slaves. We would rather die. Come at us if you dare. You'll meet the same fate as the mine's full men. Allez, on va négocier. What do you mean? You just want the pig? Well then. Bah oui. Go ahead and take it. Parfait. Ça s'est très très bien passé. Du coup, on pourrait passer là et après revenir en ville. Bien, c'est ce qu'on va faire. Ça s'est très très bien goupillé, hein, ma foi. Et on va juste terminer en allant au terrain pour utiliser le flair de notre cochon.
Allez, inspectons ça. Plairé. Ah bah non. Ah non, suis-je bête, il faut aller à... Je me suis trompé. Ça marche pas. Je pensais que ça aurait du flair, ça. Un loup, un sanglier, un ours, un crocoporc. Fine people of Gothenburg, the one, the only. Bon. Bon, eh bien, je me suis trompé. C'est pas grave. Faut qu'on aille, du coup. Voilà. Regardez, on va checker. Faut qu'on aille jusqu'ici, Siri. Voilà, ici, là. À la ferme de la belle Porchère. Pour rendre son cochon, on verra ce que ça nous donne ensuite. Dans le pire des cas, on pourra toujours venir par là pour explorer. En tout cas, on aura bien avancé, puis surtout on aura découvert le sport national, c'est-à-dire la rouste. On va dépenser rapidement pour finir là-dessus nos points de compendium. Donc pour l'argent, ça peut toujours être utile. Augmente de 1 le nombre de contrats affichés. Flot de primes, nombre de contrats que vous pouvez accepter. Ouh, ça nous ouvre des choses. Sens de la conversation, oui. Ah, si je prends orientation, ça nous ouvre quelque chose. Pas spécialement. Votre troupe d'accueil en nouvelle recrue. Une nouvelle recrue obtiendra un point d'aptitude, ça c'est cool. Augmente-le au nombre de contrats qu'on peut accepter. Le nombre de contrats affichés. Et formation accélérée, on prend. Nécessite un point de connaissance. Comment ça s'ouvre? Je sais pas. C'est pas pour cannibalisme quand même. Il nous reste 17 points. Évidemment, on va vouloir ça. On prend tout ce qui est forge, hein, tout de suite. Ce sera fait. Voilà, et il nous reste quelques points. Pour avoir des nouvelles recettes, je ferai bien tout ça aussi à un moment donné. Ok. Mais on en verra plus dans le prochain épisode, celui-ci étant arrivé à son terme. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours au travers du clap, commenter, liker, vous abonner et partager. Surtout n'oubliez pas de partager car vous le savez, c'est pas le partage, c'est la vie. Allez, ciao, bye bye.